Coucou, dernier soir, les dernières heures de notre périple. Il est 1h30 du matin environ, dans la nuit de samedi à dimanche. Nous sommes à Marigny-les-Usages, près d'Orléans. Nous avons passé une dernière soirée fabuleuse chez Stéphane, un breton d'ailleurs d'origine bretonne. Et là, il est l'heure d'aller au lit, hein, mes chers compagnons de route. Et alors maintenant, allez les gars, je vous borde à la dernière nuit. Attends, allez, le lit au carré. Et en tout cas. Non, mais bien les copains, vous avez été fantastiques. Et jour de match là, jour de derby, jour de classico, donc Lyon-Saint-Etienne, PSG Marseille. Demain, on a deux matchs à jouer, on a deux matchs à livrer. Les 120 derniers kilomètres jusqu'à Paris, jusqu'au Parc des Princes. Et voilà, on va faire de bons rêves. Coucou, bonne nuit Pierre, bonne nuit Jean-Arnaud. La dernière nuit, hein. Vous allez nous manquer, vous allez me manquer les gars, vous allez me manquer les copains demain. Hein. Allez, ciao, 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 ciao. Coucou, nous sommes vraiment avec un phénomène, avec Pierre Boubi, milieu de terrain d'Orléans, qui a marqué lors du derby d'ailleurs du pied droit, il y a quelques heures. Et donc voilà, nous sommes avec Pierre. Pierre nous emmène à la gare d'Orléans. Et Pierre, voilà, qui est un joueur de Ligue 2, mais bien plus que cela, c'est un phénomène médiatique, puisqu'il participe quand même aux Grosses Têtes, la principale émission de radio la plus écoutée de France. Il fait également la chaîne L'Équipe, consultant, l'équipe d'Estelle. Pierre, tu es parti très très jeune de chez toi, je crois, à 12 ans, pour aller au centre de formation de Lyon. Raconte-nous, est-ce que ça a été une souffrance? Ouais, une souffrance, oui et non. Ça a été une souffrance pendant 2 mois parce que tu pars du cocon familial, tu prends le train à 19h, l'hiver, il fait moins 2, t'arrives le dimanche soir avec tes sacs pour toute la semaine. Donc ouais, c'est compliqué. Après c'est ce qui m'a forgé aussi pour être un homme, quoi. Donc ça fait partie des choses. On n'a pas eu la même enfance que tout le monde, mais voilà, moi j'en garde des souvenirs, j'aurais rien changé par rapport à tout ça parce que c'est... J'ai passé des moments où j'ai explosé de rire et c'était génial. Le centre de formation, l'internat, les conneries, pas les bonnes notes, mais les conneries. Non, c'est des bons moments, ouais. Coucou, voilà Vikash, nous sommes devant le Stade de France et nous allons faire une visite du Stade de France avec toi. Nous allons même aller au bord de la pelouse où tu pourras montrer avec tes mains le but extraordinaire que tu avais marqué lors de la finale de la Coupe de France 2005-2006. Il y a une touche pour nous, ça doit être Armand qui fait la touche à Modeste, Mbami, il se retourne. Il me donne la balle, je la reçois pied droit, rond central de mon côté. Je crois que je conduis la balle et je me rends compte que ça s'ouvre devant moi. Ils reculent tous et j'avance. Et à un moment, moi, je frappe. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne saurais jamais. Barthez a certainement été surpris parce que ce n'est pas non plus la frappe du siècle. Hein. Et ça fait but. Et ça a une sorte de trou noir, ce moment-là. Je ne me souviens plus trop ce qui m'est passé par la tête. C'est incroyable. Le foot, c'est un sport fabuleux, magique, qui peut permettre et proposer ce genre d'émotions folles, quoi. Il faut savoir que j'étais en grande difficulté au PSG, j'avais des problèmes avec la combe, je jouais pas bien au Parc des Princes. En marquant, on voit bien sur mon visage, je suis pas super heureux, je suis vraiment dans la colère, dans la haine, dans la revanche, et il y a tout ça qui se libère à ce moment-là. Et puis aussi, c'est quand même, je vous ai montré que je suis capable de faire ça. J'ai été courageux ce jour-là, je crois. Je crois que toute ma carrière, peut-être... Voilà, je tirais pas au but parfois, je faisais la passe. Et ce jour-là, j'ai osé. Coucou, regardez où nous sommes, regardez où nous sommes. À l'équipe, ça y est, nous sommes devant le siège de la chaîne L'Équipe, du groupe L'Équipe à Boulogne-Billancourt. Nous sommes partis lundi dernier de Marseille, du stade Vélodrome. Et là, nous sommes 7 jours plus tard arrivés à Paris, à Boulogne-Billancourt. Nous étions au Parc des Princes il y a quelques instants. Nous sommes passés par Marseille, par Nîmes, par Valence, par Vienne, par Saint-Étienne, par Lyon,
par Mont-Saint-les-Mines, par Orléans, par Auxerre. Merci à toutes et à tous pour ce formidable voyage. Et également un merci à tous ceux qui vraiment ont contribué. Nous avons fait ce voyage également pour l'association Un Ballon pour l'insertion, une association qui aide des gens un petit peu en difficulté, sans abri, sans domicile fixe. Nous avons fait ce voyage également pour eux. Regardez, le ballon est là. Nous avons fait signer le ballon à tous les gens que nous avons rencontrés. Merci beaucoup. Ciao, 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 ciao. Au revoir.